Bonjour à tous, alors je me trouve aujourd'hui à la bibliothèque de Senef pour vous parler musique. Parce que la musique adoucit les mœurs, parce que la musique rassemble, parce que la musique détend, et en cette période particulièrement anxiogène, ça fait du bien. Je vais vous parler de différentes biographies, de différents témoignages. Si je vous dis un groupe de rock originaire de Liverpool qui a eu beaucoup de succès dans les années 60, composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Ils ont chanté de nombreux tubes, Love Me Do, Yesterday, All You Need Is Love, Hey Jude, Come Together. Vous me dites, eh bien, les Beatles. Alors je vous propose un premier livre, Les Beatles, 4 garçons dans le siècle, de Frédéric Granier. Si je vous dis maintenant un auteur, compositeur, interprète anglais, il a chanté de nombreuses chansons très connues, Your Song, Candle in the Wind, I'm Still Standing, Sacrifice. Il s'agit d'Elton John, avec son livre Moi, Elton John. On va changer un petit peu de registre. Alors son vrai nom, c'est Claudine Leupart. Elle est née en 1960, elle est décédée il y a 2 ans, en 2018. C'est une chanteuse et comédienne belge. Elle a eu beaucoup de succès avec une comédie musicale, Starmania. Elle a chanté de nombreuses chansons, Toutes les mamas, sur un prélude de Bach, L'un pour l'autre, et aussi son duo avec Lara Fabian, Tu es mon autre. Donc il s'agit de Morane, avec ce livre, Morane trop forte. Alors, ces livres sont disponibles à la bibliothèque de Senef. Je vous remontre une fois les couvertures. Les Beatles, 4 garçons dans le vent. Moi, Elton John. Et Morane, trop forte. À très bientôt pour de prochaines vidéos.